Soya Sarfaraz. Le titre de l'expo, c'est Fox and Friends. Je suis née au sud de l'Iran, dans la ville de Shiraz. C'est la capitale culturelle de l'Iran. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans. Je suis partie en France, à Paris, pour apprendre la langue française et étudier en France. J'étais acceptée aux Arts Déco de Strasbourg, où j'ai étudié pendant 4 ans. Je suis arrivée ici en tant qu'immigrante. J'ai fait aussi une année internationale à l'UQAM. À partir de là, j'ai vraiment commencé ma carrière artistique en tant qu'artiste émergente à Montréal. Mon travail est devenu vraiment très, très engagé le moment que je faisais la queue devant l'ambassade de l'Iran à Ottawa pour voter en 2009. Je ne suis même pas rendue à l'intérieur de l'ambassade pour voter que mon mari me montre sur son téléphone que Ahmadinejad a été déjà annoncé vainqueur en Iran. Donc, c'était vraiment comme un volcan à l'intérieur de moi. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je travaille sur les questions politiques de mon pays et que mon travail devienne vraiment engagé. Du coup, je me suis dit, je vais passer ce message et ces frustrations contre le régime islamique à travers mon art. Pour moi, c'est très, très important parce que je trouve que l'art et politique, c'est très lié. Donc, on ne peut pas être indifférent par rapport à tout ce qui se passe dans notre société. Je me suis inspirée pour cette œuvre, un jeu d'enfant, Le Serpent et l'Échelle. Et je voulais vraiment dessiner la situation du régime islamique et mon pays origine depuis la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Mon travail a un contenu très lourd, donc je cherchais dans ma tête quel matériau je peux utiliser pour attirer le regard de spectateurs. Donc j'ai choisi les bonhommes de Lego, les soldats en plastique, les dessins enfantins, parce que je trouve que ces bonhommes de Lego sont très familiers aux mémoires d'enfants de chaque nationalité. Du coup, ça attire vraiment le regard de spectateurs. Par la suite, je puisse vraiment transférer mon message, qui est quand même un message très lourd, qui parle de la violence, la dictature, de la torture dans les prisons d'Iraniens et en général dans le monde arabe. C'est vraiment, je trouve que c'est les blessures de mémoire d'entendre les choses comme ça et que c'est extrêmement triste de dire que c'est un pays avec une culture si ancienne et si riche et rendue si tyrannie. En gros, on a effacé toute la culture iranienne et perse qu'on a eue. Ils l'ont remplacée par leur violence et leur dictature. Pour moi, il y a une accumulation des objets, ça donne une force en fait à l'œuvre. Et cette ligne, pour moi, c'est vraiment comme un mur qui est solide, qu'on peut pas les... Même si le régime islamique tue milliers et milliers de gens, même s'il les emprisonne, mais cette ligne-là est toujours solide, est toujours là. Ça a été créé, cette exposition, pour le centre Vastevag. Les meilleures relations que j'ai eues jusqu'à maintenant, qui me fascinent énormément par rapport à mon travail, c'est quand les enfants rentrent dans mes installations. Au début, ils pensent que vraiment c'est un terrain de jeu. Et après 5 minutes en regardant, ils commencent à poser les questions à leurs parents. Mais c'est quoi ce bonhomme mort au milieu des fleurs? C'est quoi cette tête méchante? Donc c'est ça que je trouve que mon travail devient intéressant parce que ça fait questionner les enfants parce que ces enfants-là, justement, vont être des prochains adultes. Je trouve que c'est très, très important pour moi personnellement que mon travail soit engagé, qui passe un message, qui fait réfléchir le spectateur par rapport au contenu d'un travail. Vu que c'est visuel, les gens connectent peut-être plus que lire un journal et que le contenu est quand même pas mal pareil. Donc, je trouve que oui, il y a des espoirs en fait. Personnellement, je le crois.